remercier pour avoir suivi très très nombreux notre dernier numéro. Aujourd'hui, c'est la suite. Une personne n'est pas là, c'est notre ami Modeste Bounigaba qui nous reviendra la semaine prochaine pour animer cette émission. J'ai donc son Excellence Monsieur Simon Bosso qui est avec nous ici à ma droite, et puis Maître Justin Magala. Ensuite, mon ami Mubimba Ashimba et Norbert Yamba Yamba. Messieurs, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. C'est la suite de l'émission. Alors, je me ferai le plaisir de demander à Monsieur Simon Bosso, qui avait terminé avec une idée très forte, celle de la refondation plus de l'État, d'avoir, il a recommandé que nous ayons un État fort. Mais quand vous parlez d'un État fort, certains compatriotes pensent que l'État fort, c'est le président de la République. Ne pense pas aux autres structures. Ce que je crois, il faudrait peut-être corriger Monsieur Simon Bosso. Merci Kibambi. Un État fort, c'est un État efficace avec des structures étatiques qui répondent, qui exercent les missions de l'État. Et les missions de l'État sont de deux ordres. Il y a les missions régaliennes qui relèvent du pouvoir du souverain, le contrôle du territoire, donc pour pouvoir assurer l'intégrité, défendre l'intégrité du territoire, la sécurité des personnes et des biens, et l'exercice de la justice, donc la défense des droits des humains. Et il y a les missions qui relèvent du service à la communauté. Donc, donner l'accès aux services sociaux de base, l'école, dont nous avons parlé, moi je parle même de la famille, il faut aussi réhabiliter, renforcer, l'école, la santé, le cadre de vie, donc l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et assurer le bon fonctionnement des infrastructures économiques, notamment les transports, l'énergie, qui permettent aux autres acteurs du pays de pouvoir fonctionner correctement, notamment les entreprises et les autres acteurs sociaux. Monsieur Mubimba Ashimba, quelque chose à ajouter, peut-être? Oui, je suis d'accord qu'il faut un État fort, c'est-à-dire une organisation. Mais l'organisation ne peut être mise en place que par des leaders, des managers. Alors, c'est pourquoi il faut, si on peut parler comme les autres, c'est pas seulement que ça s'est fait en Occident, mais ailleurs, il faut un manager, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le devant, un leader, pour conduire les autres. Et il doit montrer là où nous allons. Nous allons comme ça, il n'est pas seul, mais peut-être un paquet de gens qui disent nous voulons aller dans cette direction, sont convaincus. Et alors ils mettent en place une organisation. Cette organisation avec les structures, les sous-structures, avec les modalités de fonctionnement. Et alors ils placent maintenant, ils placent des individus à chaque, d'abord la coordination des différentes structures, les procédures pour travailler et contrôler comment ça marche pour pouvoir aller de là-bas. Donc ça se tient les deux. C'est-à-dire que aussi bien l'organisation de la gouvernance, l'organisation de structure de l'État, que les animateurs qui ont les managers, les leaders qui doivent conduire les gens et qui doivent donner les instructions, qui doivent les conduire vers une vision bien claire. Exact. Très bien. Norbert Yamba Yamba,
Je ne sais pas pourquoi je ris, parce que je m'attends à un vocabulaire assez sophistiqué. C'est injuste. Hein. Non, je suis injuste par rapport. Allons-y. Non, je suis tenté même de dire sans objet, parce que l'approche qu'a définie son Excellence Mbosso montre très clairement la notion effective de l'État. Mais je voudrais emprunter la notion de l'efficacité, de l'efficience. L'efficacité d'un État fort se valide en fonction de sa capacité de donner des solutions aux problèmes de sa population. C'est ce qu'il a appelé la mission pour la communauté. Un État fort, c'est un État organisé. Un État fort, c'est il y a des institutions. Chacune joue sa partition. Mais la finalité de finalité, c'est que tout cela retentisse positivement sur la vie des citoyens. Et ça, c'est très important. Et je termine en disant, un État fort, c'est un État aussi dont les leaders, le leadership a une torche pour éclairer l'avenir. Il voyage dans le temps. 50, 100 ans, il revient, il embarque tout le monde dans une direction parce qu'il connaît bien la destination. D'accord. Merci. Maître Magala. Je suis d'accord avec la prémisse. Qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est que tout ça doit concourir à faire un homme meilleur. Je reste penché sur l'idée du chantier qu'est l'homme congolais. C'est l'homme qui pose problème aujourd'hui au Congo. Et c'est cet homme-là qu'il faut changer dès la base. La dernière idée laissée par Mbosso, Monsieur Mbosso à l'émission de la fois passée, c'était refonder à partir de la famille. Quand on a un État fort, il protège la famille. Et la famille nous donne quoi? Nous donne des petits-enfants qui reçoivent l'éducation, comme il avait dit, et qui continue l'instruction au niveau de l'école. Au niveau de cette école-là, nous devons éduquer maintenant par rapport à notre environnement, donner un enseignement qui correspond à notre environnement direct. Qu'on fasse moins de Russie, moins d'États-Unis, moins de France, qu'on étudie le Congo et l'Afrique. Après ceci, nous aurons besoin de modèles, nous aurons besoin de coachs. Ce qui fait défaut aujourd'hui. La jeunesse n'a pas de modèle. En réfléchissant un peu, vous verrez que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils sont issus de la génération de 90, c'est-à-dire les fruits des pillages et consorts. Ils n'ont pas vu leur papa travailler. Donc ils n'ont pas ce modèle-là. Nous, quand on voyait nos pères sortir en cinglé, et puis belle chemise, aller à Nabakos, eux n'ont pas vu ça. Ils ont la théorie des chances et l'Okopamba. Donc, vous vous réveillez avec 100 dollars sur la rue, la vie commence. Non, on a besoin de ces modèles-là, de ces repères-là. Et puis, de construire l'homme, pas seulement sur le plan physique. Il faut qu'il y ait des repères au niveau spirituel. Il faut qu'on ait des repères au niveau de l'âme. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. L'homme n'est que manger, boire, s'amuser, ça s'arrête là. Donc, des repères pour dire quelle vision nous avons, où nous devons aller, on n'a pas. Quel respect, même quand on n'a pas peur de l'État, même quand on n'a plus peur de son père, mais quand même, avoir du peur, respect. Le respect de sa propre spiritualité, savoir qu'on a des limites à ne pas franchir, savoir qu'on a une vision à avoir, savoir qu'il y a une transcendance qu'il faut avoir sur le physique, il faut qu'on rentre à ça pour que ne fût-ce que ces respects-là nous redonne un homme nouveau. D'accord. Monsieur Mbosso, vous pensez que pour refaire l'homme congolais, pour faire de cet État un État fort, ne pensez-vous pas qu'il faille mettre un accent particulier sur notre enseignement? Nous avons un enseignement qui, finalement, ne nous mène nulle part. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir ou de proposer une réflexion pour que l'État puisse être à la mesure que les demandes du Congo puissent être bien définies afin que nous puissions mettre une école qui puisse nous aider à résoudre nos problèmes, et ils sont immenses.
C'est vrai, Kibambi, nous avions, je disais, chuté la dernière fois en parlant d'un État fort, donc un État efficace qui doit reconstruire la famille, l'école et donner du travail. Et moi, je partais de la famille, comme notre frère Magala venait de le dire, parce que quand on parle d'éducation, il y a le volet qui part de la famille, qui se poursuit au niveau de l'école. Et c'est la famille qui est le creuset, le premier à donner les premiers pas, à enseigner à l'enfant les premiers pas, comment vivre dans la société, comment respecter les aînés, comment respecter les biens d'autrui. Parce que on a parlé des valeurs. Je rejoins mon frère Mobimba à parler, en parlant de l'État, il faut parler des leaders et des managers, les leaders qui ont la vision, qui connaissent la destination où nous devons aller, et les managers qui connaissent la route par où il faut passer pour arriver à destination. Et ces leaderships-là, les enfants qui deviennent des futurs leaders, ça commence à s'apprendre en famille. Les valeurs de la société qu'il faut respecter. Il y a une gestion morale qu'on doit apprendre à nos enfants. Je ne sais pas pour vous contredire, mais je me dis, la famille aujourd'hui, quand nous grandissions, c'est vrai que c'est pendant les repas qu'on donnait les derniers conseils. Aujourd'hui, rares sont les familles qui sont en mesure de se retrouver autour d'une table pour partager un repas. Alors, à ce moment-là, ça devient très difficile de donner cette première éducation à l'enfant. Mais justement, si l'État, donc les résidus qui restent à la tête de notre État, ces leaders qui sont là, c'est à eux que revient cette mission de reconstruire la famille. Reconstruire la famille, parce que si la famille n'est pas reconstruite... Aujourd'hui, vous voyez le nombre des enfants de la rue. Quand nous étions enfants ici, ça n'existait pas. On ne pouvait pas voir des enfants... À 18h, tout le monde était chez soi. Quand on trouvait, on les appelait des parents. Aujourd'hui, il y a des parents dans la rue, des enfants à côté du cimetière de la Gombe ici, qui ont créé des foyers où naissent des enfants qui grandissent là. Et Kibambi, moi j'ai fait une étude avec la Banque mondiale dans ce domaine des groupes vulnérables. Les enfants ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Un enfant qui n'a jamais reçu d'affection ne donnera jamais d'affection. On ne pouvait pas s'imaginer, nous, il y a 40 ans, il y a 50 ans, voir des jeunes enfants avec une machette en train de couper leur maman dans la rue. Mais ces enfants qui vivent dans les intempéries, matin, midi, soir, exposés au soleil. Ce sont des bombes à retardement. Mais ce sont des criminels... En devenir. En devenir, s'ils ne sont pas déjà. Monsieur Mobimba, oui, c'est un problème. Vous avez parlé là de l'école et de la famille. Et je crois que c'est un bon départ, une bonne source. Malheureusement, l'école n'est nulle part et la famille encore n'est nulle part. La famille aujourd'hui, elle est détruite. Elle est détruite comment? Parce que elle est préoccupée par des problèmes de survie de tous les jours. Les parents, en commençant par les frères de famille, n'ont plus de valeur parce qu'ils ne savent pas faire nourrir, faire vivre sa famille. Les enfants doivent la débrouille de ce qu'ils sont. Et dès qu'ils n'y arrivent pas, ils sont dans la rue, en train de voler, en train de commander, etc. Donc la famille est détruite, il n'y a plus de valeur. On ne peut pas venir faire des leçons, des valeurs aux enfants qui n'ont pas mangé et qui n'ont pas passé la nuit en famille. Ils sont partis pour chercher, se débrouiller pour vivre. Alors donc, il y a un problème là, très très fort. Et l'école, n'en parle même pas. Parce que l'école qui utilise quoi, quelle langue? Nous sommes pratiquement parmi les rares pays en Afrique, pas en Afrique, dans le monde. Il y a encore beaucoup d'autres pays africains où nous n'utilisons pas nos propres langues. Nous avons nos langues qui expriment notre moi, les sentiments et l'expression de ce que nous sommes. Mais ne sont pas utilisés à l'école. On demande aux enfants d'utiliser d'autres langues.
Et il m'est arrivé de faire un exercice, de comparer par exemple les Français que nous voulons que les enfants apprennent. Mm-hmm. Tu prends une langue comme le Lingala ou le Kipende ou le Kisanga, tu compares ça aux Français. Non, nous avons laissé des pans entiers de connaissances dans nos langues. Les langues bantoues, où il y a Meinhof qui a étudié en allemand, qui a eu une grande admiration pour les langues. Les langues partout. Et tout ça, c'est complètement abandonné. L'histoire n'est même pas enseignée. Nous venons d'où? À l'école, on chante sur le pont d'Avignon. On est dans le pont d'Avignon. Il n'y a aucun pont ici sur lequel les enfants peuvent danser. Napoléon avait 500 soldats. Napoléon, Charlemagne, des tutoires comme ça, comme j'ai vu même pendant les confinements ici, les cours d'histoire où on parlait encore de Charlemagne. Ça m'a rendu malade. Et encore un autre cours, je ne sais pas de quoi, où on parlait de l'organisation de la démocratie à Athènes, avec l'agora, la plèbe, les trucs comme ça. Mais il y a eu des démocraties, nous avons de grandes chefferies et des empires et des royaumes dans ce pays. Avec le mécanisme, il y a eu de... Mais pourquoi ne pas prendre tout ça et montrer que... Et puis la démocratie, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Surtout, j'ai suivi, mes chers amis, sur une télévision française, là, on montrait que le système politique basé sur le parti et les élections envoie vers le néant, enfin rien. Parce que le parti va agir pour essayer de prendre les gens avec l'argent, distribuer l'argent. Et surtout chez nous, ici encore, il y a des problèmes de valeurs. Conclusion. Alors, en conclusion, c'est qu'on va élire Kibambi parce qu'il nous a donné de l'argent. Et Kibambi, parce qu'il passe, il prend sa femme, il prend ses enfants, il est même aussi, allez, au niveau provincial, au niveau du Sénat, il les met aussi. Et après, ça signifie quoi? Le pouvoir est entre les mains de quelques familles. Hein? Peut-être il y a un millier de familles qui ont toutes. Merci. Yamba. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux, en fait, de temps en temps, quand vous organisez ce genre d'émission. Parce que ces émissions sont utiles, parce qu'on a beaucoup essayé des expériences dans nos pays. Hein. Je prends mon pays, le Congo, généralement à l'instar d'autres pays africains, on a tout essayé. Gouvernement des économistes, des gens bien formés, même aux États-Unis et en Europe, les résultats sont zéro. On a essayé le gouvernement de la diaspora. Déjà tenté de rester avec les blancs, etc. Ils sont capables de nous apporter de valeur ajoutée. Zéro. On a tenté le gouvernement d'union nationale, l'efficacité entre les groupes, etc. Zéro. Des objectifs pour le millénaire, des objectifs de développement durable. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut chercher des astuces qui nous permettent de décoller. Et pour décoller, il faut connaître notre histoire. Et c'est là justement que je donne raison à M. Mobimba lorsqu'il parle de l'histoire. Nous avons connu une histoire glorieuse, qu'on n'enseigne pas à l'école. Vous savez, M. Kibambi, l'Afrique, à l'époque, on n'avait pas des petits pays comme le nôtre aujourd'hui. Il y avait des empires, il y avait des royaumes. Mais la grande Afrique avait la configuration d'une confédération de royautés. Et on était très puissants. L'histoire de l'Égypte antique. Toutes les prouesses réalisées. La médecine, c'est chez nous. L'astrophysique, c'est chez nous. La philosophie, les mathématiques. Mais tout ça, c'est bon. Oui, mais oui. Je m'excuse beaucoup. Tout ça, c'est bon, mais il faut toujours répéter, M. Kibambi. Tout à fait. Parce qu'il faut avoir la conscience historique pour rebondir sur le plan spirituel. Et mais moi, je nous avons que nous rebondissions. Oui, bien entendu. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi nous avons échoué. Nous avons échoué simplement parce qu'il y a un groupe de personnes qui croient avoir l'idéal civilisationnel, qui croyaient que leur culture, leur civilisation, c'est une civilisation qui peut être partagée par tout le monde. Mais c'était un piège pour eux. Ils nous ont neutralisés en utilisant trois outils. Le premier outil, c'est la religion.
une religion exclusiviste. Il faut passer par pour voir Dieu. Dieu, c'est un vieux papa avec les barbes blanches comme la vôtre, etc. On ne sait pas ce qu'il a vu. Voilà, donc, voilà, on ne l'a jamais vu. Et on nous est présente. Et ça nous a joué. Et ça nous a neutralisé. Parce que, croyez-moi, M. Kibambi. À part la religion, il y a quoi? La religion, il y a le système éducatif, l'école. L'école, c'est une usine de production de chômeurs de luxe. L'école, c'est un système qui a été mis en place en idée, comment ça, j'allais dire, en divorce avec nos propres réalités. M. Kibambi, on ne peut s'en sortir que lorsqu'on est assis sur sa culture, on est assis sur ses propres réalités. Mais on nous emmène une école. Une école, c'est un mécanisme pour résoudre le problème. On résout quel problème? Le problème de l'Occident ou le problème qui sont les nôtres? Mais pourquoi ne pas apprendre nos histoires? Parce que nous avons vécu 35 siècles avant l'ère chrétienne et nous avions de la spiritualité. C'est comme ça que nos ancêtres savaient que tel palmier peut donner le vin de palme. Comment on l'a su? Qui a fait la recherche? Tel palmier peut donner de l'huile. Comment on l'a su? Tel palmier, on peut faire de l'huile, des savons. Mais c'est ce génie que nous avons perdu. Parce qu'on nous a dit que tout ce que vous faites, c'est de la sorcellerie en fonction de la religion. Et donc, nous avons la religion, nous avons le système éducatif qui nous a éloignés parce qu'il a été préparé dans un système occidental piégé. Et nous avons également le système politique, la démocratie. Tout à l'heure, j'écoutais mon vieux Mobimba lorsqu'il dit « Nous avons connu la démocratie. Il nous appartient seulement d'observer dans tel ou tel village, n'importe quel village, lorsque chef maire, quelles sont les tractations qui sont réalisées, comment on arrive à choisir l'air, etc. Pourquoi nos chercheurs, les anthropologues, les juristes, les politologues, ne profitent pas de cette expérience ancestrale pour théoriser, moderniser cela, mettre ça dans nos constitutions, dans nos dispositions réglementaires, de manière que nous ne soyons pas des hommes qui, visiblement, dorment sur la natte d'autrui. Oui, mais le problème, le piège, c'est que Mobimba le disait tout à l'heure, en fait, pour écrire, encore faudra-t-il avoir mangé. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens ont des idées et voudraient bien les coucher dans les livres, mais les problèmes sociaux se posent. Oui, mais alors et maintenant... Et ça nous neutralise. Alors maintenant, là, il faut accepter que nous puissions mourir. Non. Vous savez, Peter Gilles, toujours les Occidentaux, même s'ils ne sont pas gentils avec nous, Peter Gilles disait, toute crise est un amour du progrès. Lorsque vous ressentez la crise, et donc vous battez pour chercher une solution. Bien sûr, bien sûr. Un coach qui disait dernièrement que le mal, c'est un bien mal perçu. Chaque mal, c'est un bien, parce que ça vous motive. On dit l'échec est un diplôme. Et donc, nous avons intérêt, à ce moment où nous ressentons que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, encore que les gens vivent, pourquoi pas, que nous ayons des hommes et des femmes, surtout les dirigeants, ce qu'on appelait des leaders, des managers, encore que ça ne s'acquiert pas dans la rue. Hein, parce que le leadership, être manager, ça ne se négocie pas. On est avec. Voilà, donc il faut avoir des hommes et des femmes, des centres qui permettent véritablement de renforcer les capacités des uns des autres. Et donc, lorsqu'on aura ces hommes-là, encore que le citoyen prenne conscience qu'il faut avoir ces hommes-là pour les choisir de manière qu'ils assument des responsabilités. Alors maintenant, lorsqu'on est dans un flou artistique, les médias s'intéressent des questions secondaires avec des débats de caniveaux. Les politiques, on est dans la logique politicienne. Il faut le mercantilisme, l'argent en compagnie, etc. Conclusion, moi je dis qu'aujourd'hui, il y a moyen de refaire parce que la crise a atteint son apogée. Et tant qu'on commence à organiser ce genre d'émissions, encore que ça se généralise, même au niveau des chaînes nationales, dans les différentes chaînes privées, qu'on sorte véritablement des ghettos et qu'on se dise pourquoi on continue. Alors à ce moment-là, ceux qui font l'enseignement primaire et secondaire vont faire de vrais états généraux qui reconquièrent les autonomies, pas des états généraux des populations, mais dans les différents secteurs de la vie nationale, on essaye de faire des états généraux, des états de lieux qui nous permettent de construire une spiritualité authentique, mais dans des domaines qui sont les nôtres, avec des chercheurs qui nous produisent des alternatives. Encore une autre occasion pour parler. Je retiens que nous devons, nous tous, prendre conscience de la crise dans laquelle nous voterons et nous dire... après être descendu aussi bas, on n'a plus qu'un choix, c'est remonter à la surface. Sinon, c'est la mort. Maître Magala.
Bon, moi, je ne veux pas citer un occidental comme mon ami Ambayamba s'est plaigné. Je dirais plutôt Gizenga ici. Antoine Gizenga disait, mieux vaut la franchise du piment qui est l'hypocrisie du sucre. Très bien. Ça, au moins, c'est congolais. Pourquoi on s'est retrouvé ça, pourquoi ça, on s'est retrouvé ça, ça, c'est bien parce que c'est vrai, notre ami Ambayamba est très bien scientifique et tout ça, mais très peu africain. Mais écoutez, nous sommes dans la globalisation. Il n'y a pas plus d'Africains que moi ici. Bon, continue. Moi, je suis panafricaniste. Très bien. Pratiquant. Oui, si. Oui, dans la recherche de la solution, justement, on appelait tout ça une révolte. Mm-hmm. Une révolte intérieure, une révolte spirituelle, une révolte de l'âme. Pourquoi on s'est retrouvé désemparé, comme surpris par la crise? En 90 surtout. Et même, je crois, à un moment en 74 aussi. C'est parce que nous avons évolué dans un système que j'appelle Gécamine. Système Gécamine, système Miba, système où il y avait un paternalisme fort. Mm-hmm. Donc, on a fait une société fondée autour des chercheurs d'emploi. Dès qu'on avait cet emploi-là, ils vous donnaient tout. Vous êtes à la Gécamine, vous avez les soins, vous avez même la farine, vous avez le pain. Plus personne n'a pensé à développer l'initiative privée. Alors, du coup, dès que ceci s'effondre, c'est toute la nation qui s'effondre. Comme un château de cartes. Voilà. Alors que, en procédant, comme nous venons de dire ici, avec une école de proximité environnementale qui est la nôtre, de notre environnement, que les enfants connaissent le pays, leur pays, et qu'ils cherchent à dompter le pays, au lieu de circuler dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'on cherche d'abord à dompter notre pays. Dès que ceci serait arrivé, en essayant de promouvoir l'initiative privée, on s'en sortirait mieux. Pourquoi ? L'initiative privée est fondée sur une seule chose, c'est l'idée. Mm-hmm. C'est que tu observes ton environnement, tu as une idée, et c'est avec cette idée-là que tu cherches à forger ton destin, à forger ton avenir. Si on est à deux ou trois à le faire, il y aura déjà plusieurs initiatives privées, et on pourra évoluer. C'est tous les soucis qu'on cherche à améliorer ici ou à faire exploser, c'est qu'on amène les enfants à pouvoir sortir les idées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on continue à former des chercheurs d'emploi. Mais personne ne va te donner. Tu as même des messieurs de 50 ans qui vous disent, non, comme ça là. Mais tu auras l'emploi où? Personne ne peut te donner de l'emploi. Tu es dépassé en âge, tu n'es pas suffisamment formé. Donc il reste l'initiative privée. Et on doit pouvoir amener l'enseignement à ça, à nous donner des jeunes qui réfléchissent sur une prise en charge privée. Non seulement les jeunes, mais aussi les structures de l'État. Je prends un exemple. Goma, c'est aujourd'hui la plus belle ville du pays. Mais il y a 10 ans, Goma a été totalement détruite par le volcan. Et puis à un moment, les habitants de Goma et leurs commerçants, en allant tout acheter au Rwanda et à Kigali, ils ont eu cette révolte. Ils ont dit non, c'est pas normal. Comment chez nous ça sera aussi sale alors que juste à côté c'est propre et nickel? Ils sont rentrés, ils se sont dit bon, sur le coût du carburant, on ajoute 200 francs, 300 francs par litre. Avec ça, nous-mêmes, société civile, nous achetons les engins, nous engageons les. Accompagnés par le gouverneur, ils ont reconstruit totalement Goma. C'est une ville transformée, propre, totalement asphaltée, éclairée. Ça, c'est une idée. Aujourd'hui, Lubumbashi est en train de suivre le modèle, Kolwezi est en train de suivre le modèle. Pourtant, c'est la province la plus ravagée par la guerre. Mais ils ont pu produire sur base d'une idée. Oui, conclusion. Monsieur Simon Mbosso, toujours habitué à vous appeler Excellence. Bon, Simon Bosso, faut oublier ça. Je peux pas faire. Non, on n'oublie pas. Ça revient toujours. Oui, une intelligence comme ça, on ne l'efface pas en un trait. Bon, effectivement, beaucoup d'idées ont circulé ici, des initiatives privées. Mais cette école, pour former ce dont nous avons besoin, on n'a pas besoin de chômeurs, bon Dieu. Cette école pour arranger, pour résoudre nos problèmes, comment
la recréer? Comment la créer carrément parce qu'elle n'existe pas? Ben, moi, je crois qu'il faut commencer par recréer l'État. Hein? Faut recréer un État, tout ce qui a été dit ici, qui concilie les exigences de l'État moderne avec ce qui a eu de positif dans nos traditions. Et il y a des pays qui ont fait cette expérience. Nous avons parlé de Botswana la fois passée. J'ai vu dans la littérature qu'il y a aussi un petit pays, les Tonga, où on combine des pratiques traditionnelles, ce que mon frère Mayamba a évoqué, comment nos ancêtres organisaient le fonctionnement de la cité. Comment ici chez moi au Congo central il y avait l'arbre à palabre pour négocier tous les problèmes, les conflits dans la famille. Et je vois dans ces domaines de la vulnérabilité, des enfants abandonnés, des problèmes de la famille où il y a des familles qui ne sont pas capables de pouvoir prendre en charge leur... Il n'y a jamais des enfants abandonnés dans nos villages, jamais des vieillards abandonnés, jamais. Moi j'ai fait des études dans ces domaines-là. Dans nos villages, il y avait toujours des systèmes de type coopératif, des systèmes de solidarité qui permettaient de récupérer des enfants que la famille biologique ne pouvait pas prendre en charge. Il y avait toujours un oncle proche ou lointain, ou un cousin, et les vieillards qui n'avaient plus, qui avaient perdu tous ses enfants, n'étaient pas abandonnés tout seuls dans un coin du village comme sorciers, et pourtant les sorciers existaient. Mais donc... il y a cette relecture que nous pouvons faire de notre système, de la fonctionnalité de notre État, pour pouvoir intégrer des valeurs qui ont réussi dans notre système traditionnel. Et à partir de cela, nous pouvons reconstruire et la famille et l'école. Parce que commencer par l'école avec un État fragile, défaillant, qui n'existe pratiquement pas. Il y a plein de zones de non-droit dans les pays aujourd'hui, où avec 160 000 enseignants impayés. Bon, comment vous allez... Donc, il faut que l'État puisse être rebâti, qu'il puisse retrouver un minimum de fonctionnalités pour pouvoir desservir les services sociaux de base minimum au bon fonctionnement de la cité. Mon Bimba, nous avons tout pour faire tout cela. On a tout, et notamment il y a une question que vous aviez soulevée ici pour dire voilà, ce que nous avons là, nos ancêtres ont laissé ou qu'on peut encore trouver dans le village, la façon de s'organiser des familles, la façon de s'organiser des clans, de s'organiser des pouvoirs. Et la succession au pouvoir, comment ça s'est fait, tous ces mécanismes-là. Qui va étudier ça pour... Je dis, cette question-là ne se justifie pas. Parce qu'il y a des gens prêts pour des gens qui sont là pour le faire, mais qui ne le font pas. Et c'est parce que j'ai fait partie de ces gens-là. Au niveau de l'université, quand on fait la recherche, On est multidisciplinaire. On peut choisir les gens pour dire, ouais, écoutez, c'est ce que nous avions fait à un moment donné lorsque le professeur Mboulamoko voulait faire passer la culture, l'histoire du Congo et les langues congolaises à l'école du temps de Mobutu. Malheureusement, bon, ça avait échoué avec l'intervention de Giscard d'Estaing. Donc, c'est quoi? Nous avons distribué chacun dans son domaine. Alors, qui va financer? Moi, je suis chercheur, je suis enseignant, je suis payé. Mais qui va le faire? L'étudiant. Parce que lui, en tant qu'apprenant, il veut faire quelque chose qui marche très bien. Eh bien, on envoyait des étudiants rentrer chez vous avec un questionnaire sur tel problème. Et il ramenait de la matière. Et à cette matière-là, l'enseignant, sur base de ça, fait de il compare avec ce qui vient, tel étudiant amener tel autre étudiant, il sort de là la substance, oui, quelque chose qu'il faut. Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans l'ensemble de la population, l'ensemble de la population qui réfléchit entre guillemets, c'est quoi les problèmes. On est en train de suivre des modes.
On a dit, voilà, aujourd'hui, objectif du millénaire, comme il y a un malade. Objectif du millénaire. On dit, ouais, vous êtes le pays sous-développé. Ah, nous sommes le sous-développement. Non, vous êtes un pays en voie de développement. Ah, les pays en voie de développement. Les pays pauvres. Et pays pauvres, très endigués. Oh, les pays émergents. Ah, tout le monde, pays émergents, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ça, avec les certains mots qu'on utilise maintenant. Avec un vocabulaire là, il dit j'ai dit, hein, quand dit, j'ai dit, je vous remercie. Encore qu'un autre qui passe qui dit voilà. Donc il faut un travail. Quand on fait ces choses là, on ne va nulle part. Il faut donc, nous devons, l'exemple qui a été donné également, je crois que Magala qui l'a donné. Maître Magala, ou Sieur Kolwezi Goma Lubumbashi qui part. Je crois que c'est. Ça, ce sont, à mon avis, de mauvais exemples. De mauvais exemples, pourquoi? Parce que. À Goma, le matin, il est rebelle, et le soir, il est en train de construire. Il amène l'argent, il est en train de construire. Au fait, le développement de Goma et tout ça est basé là-dessus. C'est, alors, on ne peut pas éviter que tous les Congolais fassent ça. Regardez un peu quand vous allez aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des minéraux au Katanga, il y a, le nord Katanga avec le Lubumbashi et puis le Lualaba. Mais il faut voir là-dedans, à part la rétrocession que les compagnies doivent aux populations souches pour essayer de se développer, si réellement c'est bien géré. Le reste, c'est quoi? Il y a là-dedans des commissions, des gens qui viennent, vous savez, malgré les textes que nous avons sur la gestion de minéraux, des mines du Congo. Mais il y a là-dedans un jeu de commissionnement. Et puis, pour montrer que moi, je n'ai pas tout bouffé, j'ai fait quelque chose. Ça, c'est oui, c'est une leçon pour Mbujimayi. Parce que Mbujimayi a eu le diamant. Ils n'ont rien fait à Mbujimayi. La cité n'existe pas. C'est un village. Et la plupart de tout ce qu'ils faisaient, ils sont à Kinshasa ici. Les plus jeunes dans les Wewa et les autres, ils sont dans je ne sais pas quoi. Et alors, ce qui fait quoi? Que c'est un modèle pour dire que ne jouez pas avec l'argent qui sort de vos terres. Ce sont des richesses, essayez de les investir dans le vrai développement. Mais en réalité, si vous donnez, on donne ça comme étant un exemple pour l'ensemble du pays, mais qu'est-ce qu'on ferait à chose dans d'autres coins du pays? Et donc le bon exemple, ce serait quoi? En fait, la mise en commun de tous les biens. C'est-à-dire que je prends encore le cas d'un autre pays étranger. Je prends la France. Il ne cesse de le répéter que après la houille, nous n'avons plus rien. Le sol et le sous-sol français, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que nous avons? L'intelligence. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Oui, l'intelligence. Il n'y a rien dans les sols et les sous-sols, mais intelligence. Donc, il faut booster des intelligences partout où vous êtes. Qu'est-ce qui est autour de vous? Essayez de faire sortir quelque chose de vos têtes et de vos terres telles qu'elles sont là pour faire quelque chose. Est-ce que le pays ici, il a fini, est-ce qu'il y a des coins du pays où on ne peut pas sortir des idées intelligentes pour le développement? Merci. Toutes les provinces sont... Monsieur Kibambi, je voudrais un peu revenir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure Monsieur Mubimba, pour dire que la France aussi a pris un raccordement fraudulé. Si j'ai une puissance économique, certes, mais s'il lâche le franc CFA et qui laisse l'autonomie aux Africains de gérer leur argent, il serait la 15e puissance économique du monde. 15e. Et non, non. Ça, c'est de l'africanophagie. Donc, c'est essentiellement
une stratégie qui a été mise en place pour infantiliser, imbéciliser tout un peuple pour lequel nous nous battons pour que ça s'arrête. Et on n'est pas loin de la réalisation. Cependant, on peut tout dire que telle province s'organise. Il faut se poser la question sur l'impact par rapport à la diminution du chômage, par rapport à la flux de biens et de services sur le marché, par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Mais il me semble que juste la preuve du contraire, avec les investissements qu'il y a aujourd'hui, avec la production qu'il y a aujourd'hui, on n'y arrivera pas, M. Kibambi. On n'y arrivera pas. Il faut se poser la question sur des questions que nous avons soulevées ici. Pourquoi nous avons perdu notre puissance? Nous avons perdu notre puissance à cause d'une religion dite révélée, importée. Vous en avez déjà parlé. Oui, bien entendu, parce que la religion bloque le raisonnement. La religion est une question de croyance et la croyance bloque le raisonnement. Mais l'Afrique traditionnelle n'a vécu que par la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la finesse, c'est l'esprit, c'est l'infini, c'est un génie qui permet à chaque peuple de transformer. On a inhibé notre spiritualité et donc il faut revisiter la religion. Deuxièmement, la question de l'éducation, elle reste fondamentale. Quelle éducation? Vous croyez que même si on change les langues, aujourd'hui le Congo a 100 millions, en 2050 on sera à 220 millions, en 2100 400 millions. Il y a 96% des chômeurs, ne suivez pas les statistiques politiciennes. Dépendant. Dans cette situation-là, il faut produire des richesses. Pour commencer à consommer. Ah oui! Produit des richesses. En changeant le paradigme, vous allez encore me condamner. Le paradigme, non, jamais. Le paradigme, c'est un modèle que l'on invente. Parce que nous avons fonctionné avec un paradigme occidental à rentabilité externe. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme production. Même vous allez à Colosie aujourd'hui, c'est construit, ça c'est évident. Mais qui sont des investisseurs? Ce sont des étrangers. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la quantité exportée? Et quelle est la quantité qui nous revient? Et donc, nous sommes dans une logique de rentabilité externe. Et nous avons besoin aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir, que nous puissions mettre en place un paradigme fondamentalement africain, mais à rentabilité interne. Qu'on extrait, qu'on transforme, qu'on commercialise. On crée une chaîne de valeur ajoutée. Et ceci nous permet de résorber le chômage à différents niveaux d'atterrissage. Ça, on n'y est pas encore. Donc, vous n'aurez pas de richesses. Le peu de richesses que nous avons... Nous achetons à l'extérieur, parce que localement, on ne fait rien. Oui, parce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place, c'est cette stratégie de rentabilité externe. Tout ce qui est importé est utile, etc. Ils ont mis en place des mécanismes comme la télé, les médias, ils ont mis en place les ONG, ils ont mis en place les institutions financières internationales. Moi-même, je suis très impliqué dans ça, mais je me dis, on attendra longtemps. Donc, il faut maintenant revisiter notre système éducatif. Que nos universités deviennent des laboratoires de production de technologies. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps pour dire, mais quand est-ce que les pygmées deviendront nos professeurs sur le plan de la santé? Quand est-ce que tous ces gens qui sont dans le village, etc., qui connaissent les secrets de notre nature? Et puis, je termine par là, l'Inde. Vous savez, M. Kibambi, n'est ministre de la santé en Inde que quelqu'un qui est un tradit praticien, qui connaît l'air, la terre de leurs ancêtres, Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, parce qu'il y a des petits ingénieurs ici à l'ISTA, mais on ne prend pas en considération ce qu'ils font, on ne les met pas à l'épreuve, on ne les encadre pas. Mais comment voulez-vous que ces jeunes gens puissent créer quelque chose qu'on pourrait vendre à l'extérieur? Je vais terminer par dire qu'en Inde, pour être ministre de la recherche scientifique, il faudrait qu'on soit sorcier. Alors maintenant, tant qu'on ne va pas décoloniser nos psychologies par rapport à la sorcellerie, que la religion nous a trompés, parce que c'est avec ça qu'ils font, ils fabriquent des avions, ils défient la loi des pesanteurs, avec ça qu'ils sont en train de faire des réalisations incroyables. Ils appellent la magie blanche. Nos tradis praticiens, ils disent que ce sont des sorciers, et les lèvres, ce sont des herboristes. Donc, si nous n'arrivons pas à comprendre ça, que c'est ce génie de nos ancêtres qui nous ont permis même d'avoir le feu, où est-ce que nous avons eu le feu? Avant qu'il n'arrive, nous avions le feu. Nous, on avait la métallurgie. Mais c'est ce génie-là. Parce que l'homme est le dépositaire de l'esprit de Dieu. Le vrai ancêtre qui est le nôtre, c'est Dieu. Il a doté chaque peuple d'un génie. Un génie pour dominer son environnement. Alors maintenant, nous avons qui? Vous voulez que les autres disent Amen? Les autres. Vous allez dire Amen dans 2 minutes. Les autres croient que
leur civilisation, leur culture, c'est l'idéal. Et ils nous amènent une culture approximative et ils nous font croire que quand on parle comme un blanc, ça fait du bien, toutes nos langues sont mises au frigo et encore qu'on réfléchit par sa langue. Et nous utilisons la langue des autres et nous ne pouvons pas inventer. Nous sommes des intellectuels illettrés. La semaine prochaine, on fait l'émission à Lingala, vous êtes d'accord? Oui. Bah, ça nous ferait énormément plaisir. Et je termine par dire que quand on ne revisite pas, quand tout le monde est entré, démocratie, parti politique, etc., ce sont des machins, des torchons. Ça n'a jamais donné de résultats. Même chez le français, quelqu'un l'a dit ici. Au XIIIe siècle, ils étaient dans une monarchie dictatoriale. Paris, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des séances d'analyse et d'examen des différentes contradictions tout au long de leur histoire. D'accord. Et finalement, ils ont généré. Vous savez, première, deuxième, jusqu'à cinquième république. Quand est-ce que nous allons faire ces états généraux dans les différents secteurs? C'est à cette question que j'aurais voulu que vous puissiez répondre. Merci, M. Mbayamba. Je ne dis pas amen. Là aussi, il faut la volonté politique. Il faut des visionnaires. Ouais. Il faut des gens qui sont préoccupés, qui travaillent chaque jour. Parce que l'immensité du savoir, c'est plus que tout ce que nous puissions parler avec tous ces débats des caniveaux. Il faut avoir des hommes et des femmes qui se forment chaque jour. D'accord. Donc, recommandation de Yamba, continuons à réfléchir tous et trouvons les moyens qui pourraient nous permettre de nous sortir de cette crise dans laquelle nous sommes englués. Monsieur Magala. Je suis en partie d'accord avec lui parce que nous-mêmes, nous sommes soumis à une spiritualité étrangère, à un niveau... Vous savez quand... On nous convainc que nous sommes un pays pauvre, très endetté. Et nous-mêmes, nous les répétons à longueur de journée. Il y a un problème. On n'est pas un pays pauvre. Nous sommes le pays le plus riche du monde. Mais on nous a convaincus qu'on était un pays pauvre, très endetté, et nous nous plaisons à le répéter. Et les conséquences, maintenant, s'échelonnent sur le plan de la vie quotidienne. Prenons un exemple. Vous avez parlé tantôt de l'ISTA. Il n'y a pas que l'ISTA, il y a l'ISIPA. Mais ils vous produisent des ingénieurs qui vous font des miracles avec le téléphone, juste ici. Prenons la dame qui a fait les robots de circulation. De quel accompagnement elle a bénéficié? Rien. Parce que l'initiative privée comme celle-là doit être accompagnée. Elle évolue avec la microfinance. Mais quand vous voyez, en termes de microfinance, nous avons 96% des crédits qui ne sont absorbés que par 5 ou 6 provinces. Et les 4 autres provinces, c'est comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas normal. Nous avons ces soucis-là de sortir. Conséquence, nous avons aujourd'hui un Indien qui arrive 2 semaines après, c'est un patron, et nous commençons à lui demander l'argent qu'il a gagné ici. Il engage 25 employés congolais qui sont en grève contre... On l'a vu venir, alors que tout ça est à nous. Mais nous refusons de réfléchir, nous refusons d'exploiter le pays. Et il prend comme cadre ses propres frères. Mais forcément, il prend ses propres frères et les Congolais, bien que qualifiés, sont ouvriers. Chez eux, avec... C'est pas possible. Oui, il y a aussi l'exemple de... Alors, je vous donne les... Vous avez une minute pour faire votre conclusion. Je vais faire ma conclusion peut-être sous forme de question. Quel héritage... Laissons-nous à la postérité. Est-ce que c'est des problèmes que nous avons provoqués dans la communauté ou les solutions que nous avons apportées aux problèmes qui sont dans la communauté? Et je crois que tout ce qui a été dit sur la spiritualité, la religion, ça mérite tout un débat parce que dans notre propre culture et dans nos religions, notre spiritualité, il n'y a pas que des choses positives puisque ce que nous appelons la sorcellerie, moi j'appelle c'est le nivellement par le bas. Dans d'autres cultures, quand quelqu'un monte, tout le monde se dit montons ensemble. Mais nous trouvons ici, nous qui travaillons sur le terrain à l'intérieur, quand vous montez, des gens s'organisent pour vous faire descendre, c'est le nivellement par le bas. Donc il y a là un travail à faire par les leaderships et je crois que la reconstruction de l'État, qui est pour moi un préalable, passe par un leadership transformationnel, un leadership effectif qui est
au service du bien commun. Oui. Oui, une minute. Ouais, j'ai entendu là, Yamba Yamba, il y a Boss Simon, pour ce qu'il a, lui, il a parlé de religion, lui aussi il venait de spiritualité. De spiritualité. Et moi je dis qu'il y a, ce sont des sujets sur lesquels je m'attarde depuis des années. J'ai même écrit un livre sur, pour comparer non-religion et la religion occidentale, la religion chrétienne, la chrétienté. La chrétienté a été utilisée comme une arme pour aller dominer. Et aujourd'hui, l'Union européenne, ils ont voulu, lorsqu'ils faisaient les statuts, introduire le chrétien. Chrétiens là-dedans, ils disent non, pas question de ça. Ça n'en sert plus, ils n'utilisent plus cela comme étant une valeur pour eux. Peut-être quelques minorités comme ça. Où mais voulez-vous en venir? Je veux en venir à ceci, qu'il faudrait qu'on réfléchisse correctement sur les problèmes de religion, les nôtres et les religions venues d'ailleurs. Il faut correctement réfléchir sur comment, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Et je l'ai déjà dit ici une fois, Jean-Pierre, que autour de cette table, ça nous fait déjà plusieurs, une quinzaine d'années autour de ça. Mais qu'est-ce que ça a déjà donné? Avec les mêmes ici. Bon. Non, l'émission. Je termine par là. Les Européens, ils ont chassé la chrétienté de leur société. Ils ont remplacé par quoi? Par l'homosexualité, les avortements. Oui, Est-ce des valeurs? Ah, mais je ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs actuelles. Ok. Il y a la sorcellerie négative et la sorcellerie positive. On appelle magie blanche et magie noire. Voilà, cette émission est terminée. Nous n'avons pas réussi à répondre à notre question. Très modestement, nous nous retirons pour revenir et concrètement vous dire, vous suggérer ce que nous allons penser tranquillement pendant une semaine, et nous reviendrons sur ce débat parce qu'il est important. Il y a beaucoup d'idées qui ont été données. Nous allons les organiser avec votre permission, Excellence, avec votre permission, cher ami Mobimba, et les deux jeunes frères qui sont ici, et nous ajouterons également comment il s'appelle, Modeste Bonigaba. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine. Au revoir.